va d'abord se prendre l'établi portatif. Vous venez hop, ouvrir les pieds, bien fixer ici et vérifier que ce soit bien verrouillé. Tac, donc là, c'est bon. Bon, là un peu petit, on va pouvoir augmenter un peu les pieds. Ici, vous avez juste à déverrouiller la partie noire. Une fois que c'est ouvert, vous appuyez juste ici et vous voyez, il y a différents crans. Je crois qu'il y en a trois de mémoire. Donc, moi, je vais le mettre au dernier pour qu'il soit vraiment au plus haut. On fait ça pour les quatre pieds. On vérifie que ça soit bien verrouillé à chaque fois. Du coup, je vais vous sortir les deux taillets pour vous faire une petite review. Le taillet est sur batterie. Si je prends une batterie, c'est mieux. Tac, celle-ci. Et on va prendre également le taillet thermique. Hop là. Je vous sors le thermique juste à titre de comparaison en statique, puisque sur ma chaîne il y a déjà la vidéo review intégrale. Je vais vous mettre une fiche d'ailleurs en haut de votre écran, comme ça si vous voulez retrouver la vidéo et le test complet, vous pouvez. Et là on peut voir la différence de gabarit entre les deux. Donc là pour mettre la batterie, rien de plus simple, vous menez dans les rainures et vous la faites coulisser jusqu'au clip. Et là elle est bien fixée, donc on a la protection de fourreau dessus. Hop, avec la lame, et ici pour pouvoir la démarrer, il y a une procédure de sécurité. Donc là, vous avez un petit bouton poussoir qui va, selon que vous êtes droitier ou gaucher, va falloir appuyer soit à droite, soit à gauche. Vous appuyez, vous maintenez la gâchette juste en dessous et en même temps la gâchette juste ici. J'appuie, je maintiens et là. Donc c'est parti, tout de suite, je vais couper différentes haies avec, notamment une grosse avec des branches bien épaisses pour que vous puissiez vous rendre compte du travail que ça peut accomplir. Bien sûr, ça ne remplace pas le thermique pour les gros ouvrages, sachant que dessus, là, j'ai la batterie classique, mais vous pouvez également mettre la batterie longue autonomie si vous avez un peu plus de taf à accomplir. Allez, c'est parti! Deux poids, deux mesures, deux utilisations bien différentes. Celui de gauche sur batterie, vraiment, si vous êtes en lotissement, que vous ne souhaitez pas faire de bruit, que vous avez juste des petits travaux d'entretien sur des haies pas trop épaisses, je pense notamment à des petits arbustes juste à tailler par exemple en boule. Mais par contre, si vous avez de la haie bien persistante avec des branches assez épaisses, puisque ça fait plusieurs saisons que vous ne vous en êtes pas occupé, eh bien le taillet thermique reste vraiment indispensable. Mais quel plaisir de pouvoir bosser avec cette marque-là et de tester tous leurs outils, même l'établi, vraiment très pratique. Juste ici, vous avez une multiprise pour pouvoir brancher les chargeurs et avoir toujours avec vous des batteries pleines. Les petites roulettes, quand les pieds sont rabattus, vous pouvez transporter et tirer des choses. Juste ici, il y a le petit crochet pour pouvoir, par exemple, y mettre une corde et venir le tracter. Vous avez dessus un petit compas. De l'autre côté, on va retrouver une règle. Ici, on va retrouver différentes accroches. Juste ici, vous allez pouvoir venir mettre vos serre-joints pneumatiques. Comme ça, vous allez pouvoir venir vraiment fixer, par exemple, une planche pour la découper. Vous avez ici également, hop, des petites cales. Donc vraiment un établi très très complet. Et puis c'est vraiment pratique quand je bricole dans le jardin, je le sors, je pose toutes mes affaires dessus, au moins ça traîne pas par terre, ça prend pas l'humidité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, un grand merci à vous. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, allez ciao !